Salut à tous! Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, alors vous savez que je suis totalement fan de la série Netflix Elite. C'est donc sans hésitation que j'ai acheté le livre Elite au fond de la classe de Abril Zamora aux éditions Hachette. J'ai voulu prolonger la série parce que j'avais fini la saison 3. Est-ce que j'ai aimé ce livre? Est-ce qu'il était intéressant? Eh bien non, hein, tout simplement non. Il est d'ailleurs détestable. Et je vais vous dire en mille et une phrases pourquoi il ne faut pas acheter ce livre. Je n'ai pas envie de vous mentir comme le quatrième de couverture de ce roman, donc je vais vous faire un résumé honnête de ce qu'il y a là-dedans. La seule information vraie dans le résumé, c'est que ce livre parle effectivement des élèves au fond de la classe, donc ceux qu'on ne connaît pas. Et du coup, quasiment pas du tout de ceux qu'on connaît. Premier élève qu'on ne connaît pas, Paula, qui est amoureuse de Samuel. Lui, on le connaît bien, puisque c'est le héros de la série. Et du coup, Paula est amoureuse de Samuel, mais Samuel est amoureux de Marina. Et de toute façon, il la connaît pas et il la regarde pas et elle vit une histoire d'amour avec Samuel dans sa tête. Psychopathe. Ensuite, il y a Gorka qui est amoureux de Paula et qui est obsédé par le sexe. Voilà, seule information sur Gorka. Il est sympa dans le livre, voilà. On a aussi Janine. Alors Janine, elle a un lourd secret. Elle a couché pendant les vacances d'été avec le redoubant de la classe et lui, il veut pas que ça se sache. Et du coup, il la menace et finalement, c'est lui qui finit par subir du harcèlement et à être menacée, enfin bon bref, voilà. Et ensuite il y a Mélena, donc c'est une fille d'ancienne Miss, et elle a des problèmes d'argent, et elle a des problèmes avec sa mère, voilà. C'est tout. Ce livre se passe durant la saison 1, donc pour ceux qui ont vu la série Netflix, eh bien Marina, la fille dont est amoureux Samuel, va mourir, elle va se faire tuer. Donc dans le livre, elle est retrouvée morte et la police reçoit un journal intime avec des propos haineux envers Marina, ce qui peut être un indice sur la personne qui l'a tuée effectivement. Et le but de ce livre, eh bien je le cherche encore, puisque bah eux c'est de régler leurs problèmes, là, Gorka, Janine, Paula et Mélena. Et c'est aussi d'élucider finalement le meurtre de Marina. Enfin je crois que c'est ça, parce que franchement je suis pas sûre. Parlons de la forme avant de parler du fond, enfin le fond, faut-il qu'il y en ait. Commençons donc par la traduction de cet ouvrage, hein, ouvrage de base espagnole. Comment vous dire? Je n'ai jamais lu un livre avec autant de fautes de ma vie. C'est pas juste des petites fautes d'orthographe que tu retrouves de temps en temps dans certains livres, non non non. Les fautes que vous trouverez là-dedans, c'est des fautes de mots, carrément de mots en fait. Il y a des phrases qui ne veulent rien dire, mais rien du tout. À un moment, si tu lis un livre et que tu n'es même pas capable de comprendre les phrases qu'il contient, c'est qu'il y a un problème. Ma question est la suivante, est-ce que cette chose a été relue? Je ne pense pas. Quand c'est des petites fautes, c'est pardonnable. Quand c'est des fautes de mots, carrément de mots, ah non, c'est plus pardonnable, là, faut pas déconner non plus. En plus des fautes, la construction de ce roman est catastrophique. Des fois on est à la troisième personne, des fois on est à la première personne, et des fois même les chapitres, mais dans le même chapitre, hein, un paragraphe tout petit peut suivre un autre paragraphe tout petit, on suit une personne, paf, on suit une autre personne, on sait pas pourquoi, on a changé de lieu, on a changé de situation, il y a 10 000 situations dans un seul chapitre. Organise tes idées, fais quelque chose, parce qu'en fait ça c'est un bordel, c'est un brouillon ça. Ça s'appelle un brouillon. On est dans 10 000 situations à la fois. Pourquoi ne pas faire un chapitre avec une situation ou un chapitre avec un personnage? Là, on a 4 personnages d'un coup, paf! Plusieurs situations qui se mélangent et qui n'ont rien à voir ensemble. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, il y a marqué Elite sur la couverture. Honnêtement, sans vous mentir, c'est pour faire vendre. C'est tout. Il y a des tentatives pour relier les personnages du livre avec les situations de la série et certains personnages vite fait. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de lien avec la série. Enfin si. Le lien, ça serait la mort de Marina puisque c'est la saison 1 de Elite. Du coup, j'ai une question. Rassurez-vous, vous avez la fin de l'enquête. Hein. Vous avez le coupable, hein. Vous avez le tueur. Je mets des guillemets pour ceux qui ont vu Elite. Mais... il est arrêté, c'est final, on le sait. Pourquoi? Ceux qui ne regardent pas la série, comment ils savent pourquoi il est arrêté? Dites-moi, parce que moi là, dans 296 pages, c'est pas dit.
vous ne connaîtrez jamais la raison pour laquelle ce gars-là va finir en prison. Vous ne le saurez pas. Voilà. Vous lisez quand même un livre sur un meurtre. Vous savez qui a tué, mais vous ne savez pas pourquoi. Quel est l'intérêt ? Ah, il n'y en a pas. Le seul point positif, c'est qu'effectivement, ça suit très bien la saison 1. On arrive à se souvenir de certaines images, voilà, qu'on a pu voir dans la série. C'est le seul point positif. Le fond maintenant, c'est une lecture sans intérêt. On ne s'attache pas aux personnages, on ne s'intéresse pas à eux. Je ne sais pas à quoi sert ça. Les élèves du fond de la classe auraient mieux fait de rester au fond de la classe, tellement ils sont inintéressants. Dès le début du livre, on a tellement d'informations sur les personnages principaux qu'à un moment, t'es obligé de revenir en arrière pour savoir qui est qui. Est-ce que c'est normal ? Non. Les intrigues sont mauvaises, les personnages sont ennuyeux, l'écriture est détestable, bref, ça c'est un beau merdier. D'ailleurs, j'ai une bibliothèque derrière moi, d'habitude je mets mes livres Netflix en évidence. Eh bien celui-là, il ira au fond d'un placard, parce que je ne veux même pas le voir dans ma bibliothèque, tellement j'en ai chié pour le finir, parce que je ne laisse jamais un livre à la moitié de l'histoire. Je ne peux pas faire ça. Je me dis que peut-être à la fin il y aura un twist. Il ne faut pas arrêter une lecture en cours de route. J'ai fini le livre. J'attends toujours le twist. Du coup, vous vous en doutez, je ne vous le recommande pas, ça semble logique. Non mais c'est bon, j'ai retenu la leçon. Si ça parle pas d'un personnage que je connais déjà, qui est déjà dans la série, ça ne vaut pas le coup de le lire. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est un bon moyen de vous dégoûter, franchement. Lisez ça, vous n'aurez plus du tout envie de la voir. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à partager à tes copains. Et écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !